21h minuit. Du dimanche au vendredi. Mickaël. C'est Mickaël sur Énergie. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio. Après que vous ayez de la mycodine, allez-vous-en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Mickaël. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve trois fois le monde, deux fois sa fille, et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir. Il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël et sa bande de terroristes. Mickaël, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Bonjour, c'est Maître Ping. Et moi c'est Pong. Nous aussi dans l'atelier, écoutez Mickaël de 21h minuit. C'est très très bon choix émission. Du dimanche au vendredi, 21h minuit, c'est très très bon choix émission. Et c'est Ping et Pong qui le disent. Si vous voulez rire, tous les soirs de la semaine entre 21h et minuit, il y a une émission pour ça. Si vous voulez tout savoir sur tout, sans vous prendre la tête, il y a une émission pour ça. Et si vous voulez vous aussi vous foutre de la gueule de vos people préférés, il y a une émission pour ça. En fait, il y a une émission pour à peu près tout, uniquement sur Énergie. Mickaël, 21h minuit. Salut, c'est Roberto. Mais oui, moi aussi, j'écoute le Mickaël de 21h à minuit. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Une émission que c'est de l'art sur Énergie. Et c'est Roberto qui le dit. Ja oui, du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, mais j'écoute Mickaël hein, de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Mickaël de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Nous sommes en 2009 après Jésus-Christ. Toutes les émissions subissent la sévérité de la direction d'Énergie. Toutes ? Non. Car une équipe d'irréductibles gaulois résiste au patronat. 5 ans après, ils sont toujours là le soir, sur Énergie. Mickaël, c'est Astérix dans ta radio. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Mickaël, parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est sympa, c'est comme ça l'Italie, et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio. C'est une excellente question. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de psychopathes. Mickaël, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Mickaël n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il a pas de cheveux blancs. Voilà. Comme ça, il sera content. Puis, quitte à mentir aux gens, autant le faire jusqu'au bout. Mickaël n'est pas sur Énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Mickaël sur Pas Énergie. Voilà. Cher petit papa. Non. Cher grand-papa Noël. Cette année, j'ai été très sage et j'ai traité personne de pauvre con. Je voudrais que tu m'apportes un nouvel avion tout neuf, encore mieux que celui d'Obama, pour partir en vacances. Je voudrais aussi que les Français m'aiment plus, parce que franchement, cette année les sondages n'étaient pas terribles. Et aussi, j'aimerais que Mickaël et toutes ses racailles me laissent un peu tranquille. Sinon j'appelle Besson. Et hop, un carcher pour... non, un charter pour le Portugal. Bien amicalement, Nicolas Sarkozy. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Énergie, Mickaël, l'animateur le plus cité dans les demandes de cadeaux au Père Noël. Les bonnes résolutions de Mickaël sur Énergie. Commencer l'émission à 21h et... Non, faut pas trop se mentir sur les bonnes résolutions. De toute façon, on les tient jamais. 21h, minuit, Mickaël est sur Énergie. 2005, l'ouragan Katrina ravageait la Louisiane. Florence Oblas était en jeu. Ahmadinejad était élu président. Et Indochine sortait un album. Mais la pire catastrophe, c'est l'arrivée de Mickaël sur Énergie. 5 ans après, ils sont toujours là le soir. En 2010, le drame continue de 21h à minuit.
fait 5 ans. 5 longues années. Eh ouais. Et Michael est toujours là le soir sur Énergie. Ouais. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Michael sur Énergie, 2005-2010. Enfin, 21h minuit, quoi. Bouge pas. Bouge pas. Michael termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Michael engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça.